Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur ma récup que j'avais eue avec la moto faucheuse. Donc une grosse tronçonneuse à béton Usorna. Donc bon, en fait le moteur il est mort. Enfin, je l'ai récupéré. Je tire un petit peu, le lanceur est super dur. En fait, c'est pas le moteur qui est dur, parce qu'il y a un des compresseurs. Donc, le lanceur, en fait, il doit être grippé à l'intérieur. Ouais, il est super dur à tourner. Donc là, j'essaye de la démonter entièrement. Que je voulais revendre des pièces, mais pour, en fait, c'est morte. Enfin, j'essaie de la remettre droite. Bon, parce que. Vous voyez, j'ai enlevé les vis du pot. Bon, là, j'ai plein de clés. Vous voyez. Ouais. Donc, la poire est bonne. Hein. Carburateur aussi. Donc, ça, j'ai peut-être le garder. Starter, je vais en garder un pour moi. Pour, je sais pas, les poignées, je vais les garder. Le bouton stop, c'est pas la peine que je le garde. Ou je sais pas. Sinon, toutes les pièces, je vais les garder au cas où si j'ai un. Parce que j'ai un copain, il a deux tronçonneuses à béton. Enfin. Les grosses. Je sais pas si. Je sais pas si c'est des Steel ou des Xuarda. Enfin, s'il veut des pièces. Ça va pas être les mêmes, mais bon. S'il en a une Xorna, ça va faire le coup. Donc, sinon, quoi dire de cet engin? Il est plein de poussière, ça c'est sûr. Donc là, j'ai tout démonté. Enfin, le moteur, vous voyez, il part. Donc, je le récupérerai vendredi. Donc, avec la moto faucheuse, comme je dis. Bon, je l'ai pas récupéré comme ça. Aïe. Désolé, c'est qu'il y a le guidon de la moto faucheuse que je me suis tapé dedans. Donc, sinon, je l'ai pas récupéré comme ça. En gros, elle était complète, toute remontée, sauf qu'il manquait juste le filtre à air et le cache-filtre à air et les vis. Et puis le cache qui vient comme ça. Puis la bougie, je l'ai, elle est. Elle est là. Donc, bonne bougie, hein. Champion. C'est G8. Donc, a priori, elle n'est pas perlée. Donc, ça me fait deux bougies champion. Machin, enfin. J'ai presque des bougies. Donc sur les engins que je récupère. Donc vous voyez, le moteur il part. J'ai tout démonté dessus. Donc là je voudrais démonter les fils là. Enfin les fils qui relient là. Tiens il manque le fil. Le fil qui relie là. Puis je voudrais enlever les tuyaux là. Parce que au moins le moteur je l'aurais sorti. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce vert et mettez un commentaire. Allez, salut.